Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour me venir faire un petit parler avec nous jeudi. Moi, venir faire un petit parler ça, c'est pour me faire une mise au point ou bien venir faire une clarification sur une information que moi partager sur pays ça qui concernait ordonnance qui sortit dans un tribunal en France côté gagné un juge qui décidait voyer dossier d'Adou Jambar qui en face journaliste Romain Molina devant tribunal correctionnel. Et gagné aspect diffamation qui évoqué dans le dossier ça. Automatiquement, tu as publié information ça, tu as gagné pile réaction, tu as gagné monde qui t'a commenté négatif. Négatif, soit par ignorance, soit parce que monde n'en voulait commenter, ou du moins parce que monde n'en voulait faire des attaques gratuites. Alors, avant même nous arriver dans le dossier ça, faut que moi dis tout le monde, par exemple, qui connaît un journaliste ou bien un monde fait un tweet. Mais il estime moun nan ta dwe di plus bagay nan tweet sa. Faut me dire que Twitter li gen yon limite ke l ba ou. Ou capable écrire jusqu'à 280 caractères. Avant Twitter te 140, li passé à 240. Ça veut dire un journaliste, un moun ka publie un tweet, li gen limite. Ça veut dire li pa ka dépasser 280 caractères, ça qui veut dire li pa ka di tout bagay nan yon tweet. Gen des moun ki décide faire plusieurs tweets. Pour parler de yon information, li bay plusieurs aspects dans chaque tweet. Mais comme ça, tout y a des moun qui résumé yon seul tweet et li fait un jan pour le rete dans 280 caractères là. C'est pas un exercice qui est facile, même pour journalistes, pour faire un travail de synthèse, pour faire tweet là clair, court, précis et concis. C'est pas un exercice qui est facile du tout. Donc, à moun qui souvent qu'on a dit ou pas dit ça, pour qu'ils soient pas mette ça, ou te doit ajouter ça, yon tweet. C'est pas un chapeau normal qu'on a fait dans un journal. Un tweet, c'est un élément information ou bien son information qu'on résume en 280 caractères ou assure en tant que journaliste pour répondre à 5 questions de base qui c'est qui est, qui fait, qui ça, qui bon et pour qui ça. Nous devons être clair sur l'aspect ça pour commencer. Alors, bon, on va rentrer dans le sujet à direct. Il y a un tribunal en France qui sorti une ordonnance, un juge pour une ordonnance sous dossier qui mettait face à face ancien président de la Fédération haïtienne de football là d'Adou Jambar face à journaliste investigateur Romain Molina. Et il y a une avancée qui fait dans le dossier à côté la justice en France ou bien juge ça qui sous dossier a décidé voyer affaire là devant tribunal correctionnel. Et depuis le commencement ordonnance là, juge là parlé de diffamation et nan fin yo mandé pour journaliste là li même pour clarifier des bagages. Alors, pour moun ki peut-être pas vraiment connaît métier journaliste là, bam fait un petit rappel rapide sur démarche un journaliste les jeunes en information. Là un journaliste jeune en information, li gen premièrement pour li vérifier source information. Si gagne des documents, journaliste a gagne pour vérifier authenticité document. Elle vient vérifier authenticité document, li capable faire un double check, j'ai on dit en anglais ou bien font check en deuxième fois ou bien à un deuxième niveau pour qu'à sûr que document ça li authentique. Automatiquement journaliste ça li fin authentifier ou bien vérifier authenticité document, li capable partager information. Maintenant, dans cas que gagne yon face à face en dans information côté bon monde qui accuse on l'autre gagné on affaire par exemple question d'Adou Jambar la face avec Romain Molina, le fait que gagné Romain Molina qui cité et gagné d'Adou qui en face, en tant que journaliste au bon devoir d'équilibre. Devoir d'équilibre là c'est que si gagné une partie qui cité yon l'autre ou bien si une partie qui n'a affaire li référer directement à moun qui en face là, automatiquement première partie a depuis le fin parler, deuxième partie a supposé bal la parole. Et c'est ça que m'te fait effectivement comme journaliste nan cas et affaire d'Adou Jambar là après ordonnance. Faut me dire pour commencer, moi vérifier ordonnance là avec des moun qui en France et moi vérifier authenticité tout communiqué de presse que avocat d'Adou Jambar yo même yo te mettait dehors pour yo informer public là sous décision ça qui sorti à pardon. Donc, là m'fin faire toute vérification ça yo moi estime que l'important pour me partager information. Mais automatiquement partager information, moi dit une bagaille qui intéresse me connait c'est qui sa partie qui en face l'a dit, qui c'est Romain Molina
qui c'est journaliste, qui t'a fait article ça, qui t'a mené enquête, qui t'a montré ou du moins t'a ramassé ensemble de témoignages qui montrait qu'il y a un abus sexuel dans la question football en Haïti, particulièrement ti mesdames. Automatiquement, ordonnance a fin sorti, nouvelle après la rue, en pile média parlé de lui. Me dit l'important pour moi ça Molina dit. Fin partager information et puis il y a pile monde qui a commenté cap dit on bonne causé, cap dit bon journaliste APC blanchi d'adou etc. Mais pendant mon y a parlé, y a pas regardé commentaires yo. Réflexe comme journaliste c'est fin bail ça. Et puis il a regardé qui ça Molina dit lui-même et puis il a cherché moi ouais que Molina a une réaction qu'elle fait par rapport avec décision ça justement. Alors pendant m'a dit ça, faut que moi dit tout que le ou partage une information qui gagne vis-à-vis par exemple un monde face à un autre ou gagne deux jusqu'à trois façons qu'a faire. Premièrement, ou qu'a faire un article complet côté que ou vienne avec première partie a et puis dans fin hein, ou bay réaction moun ki accusé ou bien moun ki en face là. Nou capable wè gon série de texte journalistique ki kon fèt et ou wè journaliste la nan fin di li té essayé contacter moun ki en face là mais il pa jwenn réponse ou bien li té contacter moun nan mais sa li té bali comme réponse soit li di pa parler ou bien li refuse parler sou sujet ça. Nan cas sa ou lè gen face à face, peu importe sa moun ki en face là di ou li son information. Si Romain Molina te fait un tweet et puis il fait 3 points suspension, son information. Si Lance Molina sourit, lui décide de pas parler, c'est une information. Parce que lui c'est un vis-à-vis, son face à face. Ça veut dire lui gagne d'adou qui en face lui et dossier aller dans la justice. Comme journaliste, réflexe normal là, c'est fin ba information d'adou et ba information Molina. De saisi ouais après publication ça gagne des monde cap commenter négatif et cap dit journaliste sousou n'a couvri d'adou etc. Alors sur point ça forme tout clair pour tout monde cap regarder là. Yo journaliste li pas gagner pour li satisfaire yon clan, li pas gagner pour satisfaire yon monde. Li pas gagner pour faire un tel fâché, faire tel clan fâché pour le faire clan en face la compte. Journaliste là pas gagné pour le tenir compte de qui sont pensé, il pas gagné pour le tenir compte est-ce que information elle va elle après faut fâcher ou bien faire que au content. L'essentiel il gagné pour partager information. Que au content, que au pas content. Alors bien entendu moi comprendre un bon monde qui a commenté en bas et pour ça il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a des monde c'est par naïveté et ou bien ignorance, yo commenter n'importe gens ouvler. Il y a monde c'est peut-être c'est proche d'adou qu'a parlé. Quand ça tout gars des monde tout qui pas veulent voir d'adou. Quand ça tout gars des monde tout qui juste estimer que journaliste Romain Molina et li pas gagner information, il pas gagner preuve dans mail pour l'a dit ça l'a dit. Dans tout ça yo, journaliste ça pas grand ken quand ça il doit camper. Li gagne pour le bail information. Mais faut moi dire tout monde tout qui peut-être en bas poste des journalistes a PC intimidé, a dit 10, a dit date. Un journaliste pas gain pour le prendre pression, il gain pour le partager information. Une information un journaliste partager jodi al ka fait qu'on content, demain la partage on l'autre, il ka fait fâché. C'est toujours comme ça lié. L'information était l'information. Il ka fait content, il ka fait pas content. Ça qu'on content jodi a, il ka fait fâché demain. Donc et m'penser tout et dans situation ça gagner une certaine tolérance pour monde qui sur réseau yo, on pas forcer yo gagner non mais m'a conseiller yo gagner. Prends un petit recul les gon informations qui partagent, prends quelques secondes pour lire d'abord et puis tonne. Lis, chercher comprendre et puis tonne, pas voyer monter. Majorité monde cap critiquer monde sur réseau social yo, moun y a critiquer yo pas connaît. Le plus souvent monde cap joue là, li pas gagner même 2% de information sous. Li pa konnen, jan moun yo kon di an kreyòl la ni an pèt ni an pèti. En plus, li pa même konnen métier sa ap egzersi, li pa konnen rien la dan. Li seulement commenté. Parce que li important pour moun ki sou rezo yo. Par exemple, moun ki sou page mwen, mwen gen plus de environ 66 ou 67 000 moun ki suiv mwen sou page sa. Mwen rete kwè que c'est des moun ki raisonné. C'est moun ki wè loin, ki gen l'esprit ki rationnel tout. Moi respecte tout le monde qui sous page moi, c'est peut-être ça, moi toujours prend temps pour me garder commentaire yo l'aime gain temps
même échanger avec des monde par Messenger directement parce que me respecter monde qui suivent page moi. D'ailleurs, c'est nous même qui fait page ça s'allier jodi a. Moi respecter nous. Mais cet exercice m'a invité nous faire c'est les bonnes informations qui partager pour un petit recul, pour un petit temps, patient et tant réaction. Pas courir commenter parce que nous voulons commenter, pas courir commenter sous émotion ou bien pas courir commenter juste parce que nous voulons et satisfait clan ou bien satisfait proche nous ou bien pour nous montrer que nous attaché avec tel groupe ou tel monde. Ben c'est ça qui est important, c'est rester calme, prendre un recul et commenter le ça possible. Maintenant, il y a une bagarre qui te fait un petit genre dans cause de ça, c'est que mon monde qui dit l'aime fin la information Molina, il dit ah voilà journaliste, c'est qu'on y a fait équilibre. C'est pas qu'on y a fait équilibre, souci équilibre là li doit en dans journaliste là. On pas gagner pour me laguer information d'adoua pendant que Molina réagit me balaguer. Il pas faire qu'un sens, c'est d'ailleurs un journaliste qui laguer information qui vient pour avec ordonnance d'adoua, li pas mettez réaction Molina li gon problème. Journaliste ça doit faire équilibre et son devoir que li. Deuxième bagage qui attire attention c'est que moi gon zanmi me pas songe non et c'est un monde qui te critiqué plus en bas pour ça, qui te fait un commentaire négatif. Et puis l'aime partager information Molina, moi même zanmi ça le partager. Ça veut dire pendant la critique me sous information qui concerne Dadoua et puis il partager Molina. Donc ça veut dire que si chaque monde yo réagit en fonction de intérêt yo ça qui bon pour yo. Mais journaliste là pas là pour ça. Journaliste là qui pour le ba information. Il vient pour le vérifier d'abord, automatiquement le vérifier, le partager information avec impartialité. C'est tout simplement ça. Que vous fâchez, que vous content, information, rete information. Moi, je voulais faire mise au point ça pour me peut-être font si expliquer nous comment des ma journalistes là mais tous les bons posts qui fait en information partagée, je voulais inviter nous pour un petit recul, réfléchir quelques secondes avant que nous critiquer. Mais tout chercher qu'on est moun n'a critiquer si n'a pas connu moun pas dit ça n'a pas connait pas dit ça pas vrai même pas grand qu'un problème à ça parce que me connaît Facebook là son réseau qui libre on moun ou gagne compte Facebook ou ka dit ça vrai mais m'inviter nous on ti sagesse on ti tolérance comme ça nous capable respecter l'autre là avec opinion comme ça nous capable tout respecter travail yo professionnel merci en pile tout moun. Si vous avez peine arrivé sur Paysa, ma peine vite ou suivre nous sur TikTok, nous sur Instagram, nous sur YouTube, nous sur Twitter, nous pas c'est Luxon Saint-Ville. Nous vous croisons une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde.